Lost in mystery, calling for what I've seen. Isolation is the way to be. I'm coming to your skin. A ghost is gone from healing. Shadows all in one. Midnight calls for you to stay. Moonlight is not fake. Confirmation in my soul, I will never be away. Ghost is gone from healing to shadows all in one. Looks like sunset in the morning, down with another name. Separation has no sense, united in flame. A ghost is gone from healing to shadows holding one. Midnight calls for you to stay. Moonlight is not fake. Confirmation in my soul, I will never be away. A ghost is gone from healing to shadows all in one. Raphaël et son équipe a su vous faire passer tout ce qu'il fallait pour que justement ce matin-là, ben, tout le monde ait répondu présent. Parce que quand la maladie est là, elle est installée et elle, la pluie, le soleil, le vent, elle s'en va pas comme ça. Et donc vous, vous êtes venus, vous vous êtes mouillés et moi, j'ai fait les roses donc à Coin-sur-Seille parce que c'est le secteur le plus proche de chez moi et de voir derrière les sourires, derrière les visières, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et puis de voir la population qui nous attend et ces gens qui sont aussi généreux avec nous, eh ben, c'est vraiment très très beau et très fort. Et tout ça pour combattre une cause qui est très très grande, la lutte contre le cancer. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et je crois que les sourires qu'il y avait derrière vos casques, ce week-end-là, et puis l'énergie que vous avez mis, eh bien, a amené à tous les patients dans leur lit d'hôpitaux ou ceux qu'on a pu visiter chez eux, un grand rayon de soleil. Et puis, avec tous les chefs de secteur, tels que Raphaël, eh bien, on va continuer à avancer, parce que pour nous, il est vraiment important de récolter ces fonds pour justement éradiquer le plus rapidement possible cette maladie terrible qui détruit des familles entières et qui fait souffrir surtout. Voilà. Merci. Alors, bonsoir à vous tous, monsieur le président, madame la loi, monsieur le maire. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire des discours. Donc, si je suis ici ce soir, je vous dis franchement, je suis très heureuse de pouvoir venir vous apporter mon témoignage, puisque actuellement, je suis en traitement
pour cette maladie, donc le cancer, contre lequel je me bats depuis 24 ans. Malheureusement, elle est revenue, comme je le dis toujours, c'est l'ennemi qui est revenu, depuis donc l'année dernière, mois de mai. Et si je tenais vraiment à faire ce témoignage, c'est pour vous dire qu'effectivement, je dis un grand, grand, grand merci. Bien sûr, déjà à vous les motards, mais également à la Ligue, dont j'ai vraiment eu besoin d'aide, puisqu'il faut savoir que malheureusement, j'avais une activité professionnelle et depuis ma maladie, j'ai donc appris que je n'avais aucun maintien de salaire, que je n'avais pas de complément de salaire, donc vous touchez des indemnités journalières de la sécurité sociale, ça va pas très loin. Quand vous êtes affecté par cette maladie, il faut savoir également que vous avez des frais. Donc j'ai eu donc une ablation complète du sein, donc à ma sortie. Bien sûr, nous les femmes, on est quand même coquettes, et puis malgré la maladie, on continue à l'être. Donc il fallait des soutiens-gorge pour mettre une petite prothèse. Juste pour vous dire, cette petite prothèse en mousse qui est provisoire vous revient à 20 euros. Un soutien-gorge, 52 euros. Les femmes qui sont présentes ici, vous savez qu'avec un soutien-gorge, bon, on ne va pas loin. J'ai eu de la chimio donc au mois de juillet, donc en période d'été, donc bien sûr au bout de 10 jours, je n'avais pas cette même tignasse. Donc je souhaitais volontairement ne pas avoir de perruque, donc j'avais opté pour des turbans. Donc je me suis acheté des turbans. Il faut savoir qu'un turban me revenait à 39 euros. Donc voilà, donc avec tous ces frais, disons pour vous dire, j'avais eu des frais à 254 euros. Et j'ai fait une demande à la CPAM. J'ai demandé au service social donc une aide. Malheureusement, ça m'a été refusé. Donc c'est là que je me suis tournée vers la Ligue. Je peux vous assurer que tout de suite, j'ai eu une personne au téléphone qui m'a appelée en me disant qu'elle a bien reçu le courrier, qu'il y a la commission qui allait se réunir et que je vais en être avisée très rapidement. Dès que la commission a passé, le jour même, une personne de la Ligue m'a à nouveau contactée en me disant comme quoi ils prenaient tout en charge. Et c'est vrai que quelques semaines après, la Ligue m'a envoyé très généreusement le chèque. Donc il faut savoir qu'effectivement, cette opération, une rose, un espoir, bon, moi personnellement, j'y ai participé déjà depuis 10 ans. Et c'est quelque chose qui me tient énormément. Touche beaucoup. Excusez-moi. Donc je voulais juste témoigner qu'effectivement cette opération est pour la Ligue. Franchement, ce que vous faites, bravo. Parce que quand on a besoin d'aide, on se bat déjà contre la maladie, mais si en plus vous avez des soucis financiers qui vous tombent dessus, vous ne savez plus comment vous dépatouiller, ça met effectivement du baume au cœur quand on peut se tourner vers des partenaires qui nous ouvrent les portes. Merci à vous tous. Et puis, continuation, j'espère que l'année prochaine, je serai à nouveau derrière les motos. Ah oui. Véronique, vous avez voulu faire passer un message fort lors de cette remise du chèque à Sarah Albe. C'était quelque chose d'indispensable pour vous ? Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais lors de mon témoignage, je dis un grand bravo à la Ligue, puisque j'avais besoin vraiment d'une aide. Tout ce qui concerne, donc, que ce soit turban, prothèse, soutien-gorge. Et c'est vrai que, n'étant plus active actuellement, puisque je suis en longue maladie et que je n'ai pas de maintien de salaire ni de complément de salaire, il est très difficile de subvenir, donc, à ces frais. Donc j'ai fait cette demande à la Ligue et qui spontanément, lors de la commission, quand ils se sont réunis, a accepté donc de prendre en charge les différentes dépenses. C'est un soulagement quelque part, ça, parce que c'est indispensable. Ça fait partie de la reconstruction, de votre reconstruction. Tout à fait. Alors je trouve que c'est un très grand soulagement parce que non seulement on se bat contre cette maladie qui malheureusement ne nous lâche pas. Donc si en plus on a des problèmes financiers, administratifs, c'est vrai que c'est très lourd et c'est difficile à gérer. Donc c'est pour ça que c'est très important et surtout quand on est, je dirais, femme. Donc la féminité joue quand même un très grand rôle malgré la maladie. Vos collègues motards autour de vous, vous remontent un peu le moral, vous...
Ah oui, donc chaque année, puisque personnellement, donc j'ai accompagné Une Rose, Un Espoir. Et malheureusement, depuis 2012, vu que la maladie est revenue à la charge, je n'ai pas pu participer comme je le souhaitais. Donc je les ai aidés d'un autre côté, en frappant un peu à toutes les portes pour qu'ils leur apportent des gâteaux pour les motards. Mais à chaque fois, ce que j'apprécie beaucoup, à chaque fois qu'ils viennent dans le village où je réside, à la fin, ils se réunissent, toute l'équipe vient à mon domicile et viennent me soutenir avec des gros coups de klaxon, avec des sourires et avec des mots qui me soutiennent énormément. C'est indispensable. Ah oui, c'est indispensable. Il n'y a pas, comme je dis toujours, le cancer est un ennemi. On a des alliés, par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie. C'est des alliés qui sont indispensables mais qui sont très très durs. Mais alors les plus grands alliés, c'est effectivement les amis, les motards. Écoutez, on va vous souhaiter plein de choses parce que je crois que vous retournez vous faire soigner. Oui, donc je retourne jeudi puisque malheureusement mon combat n'est pas terminé. Là, je repars pour de la radiothérapie. Mais bon, j'ai bon espoir et puis l'année prochaine, je leur ai fait la promesse, je serai derrière sur une moto. Voilà. Merci beaucoup Véronique. Mais je vous en prie, bonsoir. Raphaël Knipper. Benoît Vandels. Alors, quel secteur on est ici ? Ici, on est sur le secteur de Saral, Fénétrange, Puttelange-au-Lac, Zengbouz. Alors, comment ça s'est passé dans votre secteur, cette opération Une Rose, Un Espoir ? Elle s'est très bien passée. Et, je veux dire, tout le monde a répondu présent à notre appel. Donc, le chiffre parle par lui-même. Les véros sont toutes vendues, enfin toutes parties. Donc, ça s'est très bien passé. Alors combien vous remettez aujourd'hui à la Ligue contre le cancer ? Donc aujourd'hui, on est fiers de remettre à la Ligue 41 400 euros. Alors ce secteur, c'est un grand secteur. Vous êtes combien d'équipages justement à le visiter ? Alors par jour, on est à peu près 50, 60 véhicules, 60 équipages. Et le secteur, il est assez énorme. Hein. Il doit faire bien une cinquantaine de kilomètres d'envergure. Avec plein de petits villages, quoi. Et on fonctionne en divisant nos motos par deux. On fait deux groupes d'à peu près de 25 équipages. Alors, je suppose aussi qu'on vous a aidé autour de vous, les municipalités, d'autres aides ? Oui, les communes répondent présentes, ils nous mettent des salles à disposition. On a pas mal de sponsors qui nous aident au niveau alimentaire, qui nous viennent en aide avec des dons alimentaires, avec des dons... Des chèques aussi... Des petits bandanas, des choses comme des ça. Des t-shirts ou des choses comme ça. Ouais. On compte énormément sur le soutien des commerçants. Des commerçants, des artisans. Parce que sans eux, on n'aurait pas réussi à faire un si beau score. Alors les conditions météo étaient difficiles quand même aussi cette année. Atroce. Le samedi matin, on s'est regardé, on s'est dit on n'aura personne. On a 17 000 roses. Si on commence aujourd'hui, on aura peut-être fini à la fin du mois. Mais finalement, sur 8 heures... Tout le monde est venu et là, croyez-moi que c'était avec beaucoup d'émotion qu'on est monté sur les machines. Alors, certains chefs de secteur disaient, tant mieux parce qu'on va les trouver chez eux. C'est ce que je pensais aussi, mais malheureusement, on s'est rendu compte, le matin ça allait encore, mais le samedi après-midi, les gens allaient aux courses, tout simplement. Et beaucoup de portes sont restées closes, alors que quand il fait beau, les gens, effectivement, sont dans le jardin, sont autour de la maison et restent un peu plus à la maison. Par contre, les gens qu'on a trouvés sur notre chemin, effectivement, étaient très généreux, ça il faut le signaler aussi. Beaucoup de gens avaient, je pense, un peu pitié de nous quand même et nous ont fait des beaux dons, il faut le dire. Alors, donc, la remise du chèque global, vous y serez ? Oui, bien sûr, on y sera. Avec plaisir. Et puis, l'année prochaine, alors, comment vous allez vous réengager dans l'opération ? Alors, d'année en année, personnellement, je pense Benoît aussi, on a toujours un petit peu des doutes parce que c'est un énorme travail en amont. Et on est tout seul, presque tout seul, on est quand même un petit peu entouré, mais c'est vrai qu'on aimerait bien une relève à l'horizon. Et on se dit c'est la dernière année, mais quand on voit le résultat, quand on voit les gens qui ont le sourire... Et quand on voit l'engagement, ce que disait Véronique, le témoignage des malades, ça te booste. Ça, c'est pire que d'être sur la moto à 200 à l'heure. Là, on est repartant. Ah oui, on signe.
Et vos équipes, pareil, la même chose, malgré le temps, on se dira il fera meilleur l'année prochaine, il fera peut-être soleil. Je pense qu'il faut passer par du mauvais temps de temps en temps pour apprécier le bon temps. Francis Flamin, en voyant cette dame et son témoignage, on voit l'utilité justement de cette opération Une Rose, un Espoir. Alors c'est vrai que l'aide aux malades est une des missions sociales importantes de la Ligue. Et je le disais tout à l'heure dans mon discours, c'est vrai qu'en plus de la maladie, certains sont confrontés à des difficultés financières importantes. Et nous, Ligue contre le cancer, nous devons être là pour les aider. Or, ça se fait selon des process qui sont extrêmement bien rodés, avec une commission d'aide aux malades qui décide de l'affectation des fonds et qui étudie de façon très sérieuse la manière d'aider ces personnes-là. Et ce témoignage, effectivement, a été bouleversant, c'est clair. Alors, toujours un plaisir aussi d'aller voir certains secteurs, comme ça, chaque fois qu'on vous invite, vous êtes présent. Chaque fois qu'on m'invite et chaque fois que je le peux, je me déplace. Donc les mois de mai et les mois de juin vont être des mois extrêmement chargés pour moi. Mais c'est toujours un plaisir parce que je crois que c'est normal de remercier les gens pour cette action parce qu'ils s'investissent beaucoup. Et puis c'est aussi normal de leur dire à quoi est employé l'argent qu'on collecte. C'est la transparence que je défends depuis de nombreuses années. Et depuis mon mandat de président, ça me paraît absolument essentiel pour que les donateurs aient une totale confiance en nous. Et puis une jolie somme récoltée là encore aujourd'hui. Plus de 41 000 euros, c'est exceptionnel pour 60 équipages sur un week-end. Il y a vraiment très très peu d'associations qui collectent autant pour nous. Ça montre un petit peu la ferveur à la fois des motards, des habitants. Et puis le secteur rural est un secteur qui est particulièrement propice pour ce genre d'action. J'ose espérer qu'un jour on pourra le faire sur le secteur urbain. Peut-être un peu plus difficile à monter en raison de l'opération motard, mais je ne désespère pas. Alors, monsieur le maire, on est dans quelle commune ici ? Alors, la particularité de Haulvin, c'est que c'est un amalgame de 6 petits hameaux qui forment donc une seule commune. Vous êtes dans le fief de la commune principale, du hameau principal, c'est Haulvin. Disons que ça me trottait dans la tête déjà depuis longtemps parce que je fais partie d'une association d'arboriculteurs et en l'occurrence également d'une section de rosieristes. Et la rose, un espoir, je me suis dit, ça pourrait très bien compléter notre activité également. Et puis voilà, c'est venu comme ça. En plus, sur une proposition de notre président de chef-lieu de canton, donc du maire de Saralbe. Et donc, nous avons accepté tout naturellement que la rose, un espoir se fasse à Haulvin cette année. Alors, comment se comportent un petit peu vos administrés, justement ? C'est avec plaisir qu'ils ont accueilli cette manifestation cette année ? Alors écoutez, Haulvin a toujours été un peu un village un peu atypique dans la mesure où il y a toujours eu un fort tissu associatif. Et donc ce tissu associatif donc prouve qu'il y a du bénévolat, prouve qu'il y a des gens qui veulent donner de leur personne. Et donc de par là même, c'est tout à fait naturel que les gens ont accueilli la rose, un espoir. Et ce serait avec plaisir de le renouveler l'année prochaine. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de rose, justement, et qu'il n'y avait pas la rose bleue. Elle y est presque, là, si, elle est presque bleue quand même, cette rose. Pas tout à fait. En fin de compte, on a usé de pas mal de stratagèmes déjà jusqu'à présent pour l'élaborer. Mais malheureusement, naturellement, on n'y est pas encore arrivé. Hein. C'est en cours, mais je crois qu'il y a encore du boulot à faire. Lost in mystery, calling for what I've seen. Isolation is the way to be. I'm coming to your skin. A ghost is gone from healing.